Toutes les femmes voudraient danser avec George Clooney. Enfin presque. L'acteur américain a assisté samedi 19 mai au mariage de Meghan Markle et du prince Harry avec son épouse Amal, qui a littéralement attiré tous les regards avec sa robe jaune Stella McCartney. Après la cérémonie, le couple Clooney a rejoint les 600 autres invités à la réception qui avait lieu au château de Windsor. Une source rapporte au tabloïd britannique The Mirror que l'acteur a passé un long moment sur la piste de danse, partageant tour à tour une danse avec Meghan Markle, puis avec Kate Middleton. Cependant, une personne n'a pas voulu danser avec le beau George Clooney, Sarah Ferguson. La tante du prince Harry a refusé la proposition de l'acteur de la trilogie Océan qu'il avait invité à danser avec lui. Pour aller plus loin, le tabloïd déclare que l'ancienne duchesse d'York a complètement snobé l'acteur. Ce qui n'a pas manqué de provoquer l'hilarité des invités. Mais George Clooney a probablement trouvé une autre personne assez rapidement avec qui partager une danse. On l'imagine d'ailleurs très bien s'ambiancer lors du mini-concert donné par Sir Elton John durant la réception, après que le prince Harry l'ait invité à chanter.